messieurs. Et oui, c'est moi qui applaudis le public, parce qu'on a public comme ça. Bravo, bravo. Alors, je vous explique tout. Vous avez vu le générique, hein, tin, 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 tin. Et quelques secondes avant, donc, moi, j'ai une petite oreillette que je vous montre, que vous connaissez dans cette émission, car quelquefois, nous donnons des indications. Hein, je ne peux pas tout savoir, évidemment, comme tout le monde. Et alors, on me fait 10, 9, 8, 7, 6... 5, 4, 3, 2, 1... Amélie, Delphine, McCarthy. Ça va bien? Et oui, très, très, très bien. Voilà. Delphine et Ahmed, c'est vrai que le générique, il est un petit peu stressant, alors que l'émission ne l'est pas du tout. Pas du tout. On est d'accord. Du tout, du tout. C'est une partie de plaisir. Exactement. Les candidats viennent et reviennent, on va voir. Julie et Hervé, les voilà. Julie et Hervé viennent rejoindre Ahmed Silla et Delphine McCarthy. Comme tous les samedis, entre 19h et 20h, on joue à mot de passe. Mais qu'est-ce qui fait que vous voulez venir participer à ce jeu? Mais Julie, mais qu'est-ce qui vous a pris de vous inscrire? Mais c'est vous. Oh, pas moi, moi pas, non. J'embrasse. Voilà. Nickel. Nickel. Ça va être à vous bientôt. Et lui? Ah bah, je dirais pas la même chose, j'ai vu ce qui s'est passé juste avant, donc... Viens ici, viens ici, viens ici, viens ici, viens ici, viens ici. Trop tard. Bon. Non mais, franchement, parce que tous les candidats, quand ils arrivent en finale, il y a un moment donné, je les vois tremblotants, suants, transpirants, s'angoissant. Alors, je me demande, un jour on va plus avoir personne, pourquoi vous voulez venir? C'est le jeu, ça me plaît, je joue tout le temps à la maison et je me suis dit, allez, pourquoi pas. Et ça marche à la maison? Oui, parce que c'est avec mon conjoint, donc on est sur la même longueur d'onde. Mais... Eh oui, bah attendez, attendez, ici ça peut arriver aussi, très bien. Et vous Hervé, qu'est-ce qui vous a motivé? Moi c'est l'ambiance, c'est le jeu, c'est le challenge, c'est dans la généralité, c'est ça. Bon, ils aiment jouer. Eux aussi, Delphine et Ahmed, aiment jouer. Ça tombe bien car nous allons mettre 20 000 euros en jeu. Et là, pas un sourire, pas une blague, pas une plaisanterie, rien. Ça tombe bien. Non, 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 je. Non, je est sérieux. Ouais, très bien. Okay. Et je demanderai d'ailleurs aux candidats si ça peut... Enfin, je préférerais que vous fassiez un peu la gueule aussi. Ouais. Non, non, pas de sourire, pas de sourire, pas de sourire, pas de sourire. Ah, même chose, Ahmed. Défile, rien. C'est bon, on y va? Non, rien, on y va. Allez, c'est bon. D'abord, les qualifications. Attention, si j'envoie... Attendez, hein. Si j'envoie un sourire pendant le jeu, voire prendre du plaisir, voire s'amuser, se divertir, viré. Même chose, le public. Attendez, non. Non, 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 non. Je vous demande de vous arrêter. Je ne veux pas qu'il y ait un applaudissement. Rien. Alors, on commence. D'abord, je voudrais vous dire que il n'y a pas de mots composés, il n'y a pas de mots de la même famille, il n'y a pas de mots qui commencent par le même son, il n'y a pas de mime. Sinon, il y a le bip. On commence. Delphine, 30 secondes, un point par mot. Mouton. Agneau. Femelle. Brebis. Gendarmerie. Police. Scandale. Clash. Nixon. Attentat. Scandale. Passe. Oh. Merde. D'accord. Deux points. Alors. Watergate, ouais. Watergate, oui. J'ai bloqué sur Watergate. Évidemment, il s'agit de trouver le bon mot au bon moment. Et il s'agissait bien de Watergate, mais on ne peut pas l'avoir toujours à l'esprit. Brebis et police, ça fait deux points. Je dirais deux points seulement. Ah, bah oui. Attention.
Je souris pas, moi je suis hyper vénère, je suis dégoûté d'être là, donc... On est d'accord. Plus vite oui. On fera, mieux c'est. Allez, Ahmed joue avec Julie. Allez, Rouli. Campagne. Jardin. Habitant. Riverain. Villageois. Citadin. Passe. Passe. Bercer. Endormir. Accessoire. Landau. Foresti. Florence. Discount. Marché. Promotion. Réduction. Pas mal. C'est quoi? Pas mal. Solde. Ouais, ça fait 2 points également. Le premier, c'était paysan. Landau, 1 point. Et Florence, 1 deuxième point. Donc, Julie a 2 points. Hervé a 2 points. Voilà, on recommence à 0. Petit départ. Ouais, c'est bien. C'est vrai. C'est bien. Voilà. Hervé, maintenant, fait jouer Delphine. Voiture. Automobile. Lumière. Phare. Luciano. Pavarotti. Veine. Vaisseau. Vénard. Chance. Sortir. Entrée. Verbe. Rentrer. Ouais. Série. Série. Télévisé. C'est bien joué là. 4 points supplémentaires. Le 4e point s'était rentré. Le 5e mot c'était feuilleton. Série, ah oui. Mais les 30 secondes, évidemment, c'est court. C'est trop vite. Pas mal joué, quand même. Ça fait 6 points pour Hervé en 2 manches. Et Julie a 2 points, mais une manche de retard. Et c'est Julie qui fait jouer donc Ahmed. 30 secondes avec 5 possibilités d'augmenter le score. Apéritif. Dégusté. Bâtonnet. Cure-dent. Salé. Passe. Animateur. Télé. William. Ouais, mais... Passe. Je connais pas tout. Désolé. Signaler. Montrer. Sirène. Cri. Ça n'a pas fonctionné là. Il s'agissait de Bretzel, le premier point. Bretzel. Et de William l'émergie. L'émergie. Après. Après, il y avait le verbe alerter. 2 toujours pour Julie, 6 pour Hervé. Bon, je crois que maintenant on va se détendre, hein, parce que là, je crois qu'on peut sourire même éventuellement, voire prendre du plaisir, puisque Hervé va jouer avec Ahmed et que Delphine va jouer avec Julie. On va changer comme ça les équipes. Alors. 30 secondes, là encore, 4 manches de 30 secondes, les qualifications et après la finale. C'est Ahmed qui fait jouer Hervé avec 5 mots qui vont apparaître au fur et à mesure. Si le mot ne t'inspire pas, tu passes tout de suite, il revient dans les 30 secondes. Là, il va falloir qu'on s'accroche tous. On y va, on s'accroche. Allez, je tente comme ça. Poisson. Arrête. Elle. Nageoire. Jean. On. Acteur. Personnage. Connu. Passe. Singulier. Pluriel. Noircir. Blanchir. Travail. Chômage. Acteur. Gabin. Non, pas Gabin, mais pas mal essayé. Rochefort. Mais 4 points supplémentaires, c'est bien avec nageoire, avec pluriel, avec blanchir et avec chômage. 6 et 4, 10, c'est pas perdu pour les filles, sauf que là, il faut s'accrocher, puisque pour l'instant, il n'y a que 2 points, mais rien n'est fait jusqu'au bout. Alors, c'est Delphine qui fait jouer Julie, et 30 secondes à sa disposition, 1 point par mot. Euh...
Lampe. Chevet. Globe. Ampoule. Président. Mitterrand. Actuel. Hollande. Passe. Premier. Deuxième. Second. Premier. Second. Passe. Passe. Moment. Instant. Bien joué. Bien joué. 4 points. Bravo, bravo. 4 points supplémentaires. Super. Avec ampoule, Hollande, second et instant. Et le mot conifère te posait un problème. C'est dur. Comme ça, conifère. Peut-être avec résineux, peut-être avec sapin. Peut-être. Me dit-on. Alors, 6 points du côté de Julie, 10 points du côté d'Hervé. C'est Julie maintenant qui a la main et qui doit marquer un minimum de 4 points si elle veut égaliser le score d'Hervé. Et on va cacher les mots pour tout le monde, y compris pour vous. Comme ça, vous êtes encore plus dans la partie. Et c'est Julie qui a 30 secondes. Donc, pour faire un score, carton plein, ça serait formidable. Allez, bonne chance. Retour. Aller. Acteur. Comédien. Kevin. Costner. Britney. Spears. Kevin. Timberlake. Timberland. Pass. Bieber. Liquide. Solide. Bou. Extrémité. Birkin. Jane. Gadou. La gadou. Ah, ou la gadou, la gadou, la gadou. Justin. Et Justin. Alors, mais à part Kevin, je voyais. Non, mais Spacey, oui, ouais, bien sûr. D'accord, je suis partie sur le mari de Britney Spears. Point supplémentaire. Donc Spacey et chercheur, ça manquait. Alors, ça fait 8. Bon, on sait que vous ne serez pas en finale, puisque d'ores et déjà, Hervé a 10 points et qu'il a une manche de retard. Et c'est Hervé qui va faire jouer donc Ahmed. Vous êtes prêt, Hervé ? Je suis prêt. On cache les mots pour tout le monde, y compris pour vous. Et je vous rappelle qu'il y a une chaîne officielle, mot de passe, YouTube, sur laquelle vous pouvez vous brancher et ainsi jouer avec des tas de parties qui vous sont proposées avec des mots cachés, comme ce moment que nous allons passer ensemble avec Hervé et Ahmed. Roast beef. Bœuf. Généralité. Viande. Journal. Papier. Passe. Baptême. Communion. Bonbon. Bonbon. Hostie. Dragée. Oui. Autre. Dragée. Magazine. C'était magazine. Non, c'est Figaro. Mais c'est compliqué. Ah, ouais. Ah, ouais. Deux points. Deux points supplémentaires, viande et dragée, donc. Et donc, le journal, c'était Fion. Aussi... Oui, voilà, coiffeur, on aurait pu dire également... Pinocchio, chat. Voilà, c'était Figaro. 12 points, 8 pour Julie, 12 pour Hervé. Eh bien, vous êtes le finaliste. Vous aussi, vous pouvez gagner la somme de 3000 euros que nous mettons donc en jeu chaque mois. Pour cela, il vous suffit de trouver le bon indice. Le mot de passe, c'est bijoutier. Alors, les deux premiers indices, c'est vendeur et bague. D'après vous, quel est le troisième indice? Est-ce un collier ou deux parfums? Je vous répète le mot de passe, bijoutier. Les deux premiers indices, vendeur et bague. Vous envoyez votre réponse, ce que vous croyez être la bonne réponse, 1 ou 2 par SMS, au 72121. Ou vous téléphonez, si vous préférez, au 3632. Un tirage au sort sera effectué parmi les bonnes réponses. Vous avez environ 5 minutes pour jouer. Julie, on va se dire à bientôt. À en bientôt. Tout cas, merci pour votre sourire et merci. Votre participation. Vous allez, dans le public, être accompagné par Ahmed. Ah là, car c'est Delphine qui a apporté le plus de points à Hervé. Ah Delphine Hervé, en finale. Voilà donc la finale avec Hervé et Delphine. Alors, Hervé, vous l'avez voulu.
Eh bien, maintenant, vous êtes là. Paraît-il que vous êtes un super fort en capital, m'a-t-on dit. J'en connais quelques-unes. Oh, quelques-unes, le modeste. On peut faire un jeu de capital juste avant que vous jouiez, pour vous mettre en bouche, comme on dit. Bah, on peut tenter, et puis je verrai si... D'accord, alors moi, j'en ai quelques-unes comme ça. Enfin, par exemple, où se trouve Hanoï ? Vietnam. Bien sûr. La capitale de la Slovénie. La Slovénie, ça doit être... j'ai un trou. Vilnius, si, Vilnius, non comme un... Non. Non, comme un prénom féminin, Ljubljana. Ljubljana. Oui, c'est ça. Ouais. Voilà. La capitale du Zimbabwe. Oh, Zimbabwe, ça va être Harare. Absolument. La capitale de la Bolivie. La Paz. Sucre. Absolument. Contrairement à ce qu'on pense. La Paz. Et capitale, alors, et où se trouve Riga ? Dans quel pays ? Riga est la capitale de quel pays ? Riga, c'est la Lettonie. Absolument. Pas mal, toi aussi, t'es fort en capitale. C'est bien là. 20 000 euros. Voilà. Ça comptait pas pour le. Non, mais c'est bien. On peut pas passer à 5 000 direct. Non, vous allez bien jouer ensemble. On va regarder la pyramide des gains. Ouais. 1 000 euros si vous faites deviner Hervé à Delphine. 5 mots sur une liste de 9. 2 500, 5 mots sur 8. Et vous le savez, vous connaissez l'émission par cœur. Si vous arrivez là, cette somme sera à vous, plus l'utilisation du joker. 5 000 euros, c'est 5 mots sur 7. 10 000 euros, 5 mots sur 6, et chacun sait que pour 20 000 euros, c'est 5 mots sur... 5. Et Hervé est en finale, face à Delphine. 3 indices à chaque fois, 1 minute 30, quand vous passez un mot, le mot ne revient pas. C'est le moment le plus important de l'émission. D'ailleurs, on le voit bien sur les courbes d'audience de France 2. À ce moment-là, ça fait... Ça explose. Bah oui, parce qu'on veut savoir, alors, est-ce qu'il va gagner ? Est-ce qu'il va gagner ? Il était sympa, il a plutôt pas mal marché, mais est-ce qu'il va aller jusqu'aux 20 000 ? Hashtag MDP, vous pouvez évidemment commenter ce moment de l'émission. Et merci d'être sur France 2. Voici donc Hervé sur la zone centrale de notre décor avec l'euro qui est comme ça, juste à vos pieds. Ah bah j'ai jamais vu ça, tiens. Et il y en a 20 000 qui sont dessous, rien que pour vous. Alors maintenant, Delphine en place, Hervé en place. 5 mots sur 9 pour 1000 euros. Plat. Ovale. Toulousain. Saucisse. Oie. Confit. Haricot. Cassoulet. Frère. Sœur. Identique. Jumeau. Zorro. Cheval. Don. Quichotte. Je passe. Vertical. Horizontal. Main. Pied. Enveloppe. Gant. Haïr. Détester. Rond. Carré. Poète. Rond, poète. Ah, je comprends pas. Rond, poète. Je passe. Masculinisation. Féminisation. Très bien. Cercle. Ouais, oui. Oula, non, pas ouais, alors, le premier. La spécialité du Sud-Ouest, le cassoulet. Oui, bah pardon. Oui, pourtant, hein, pourtant voilà. Mais oui, bah bon. Oui, mais non. Jumeau, bravo. Ouais. Alors, Zorro. Zorro, j'ai pas compris en revanche. Don Diego de la Vega. Don Diego, ouais, pardon, Diego. Moi je suis pas. Diego. Je cherche un autre héros, voilà. Quichotte. Horizontal, gant détesté, le cercle, le rond, le cercle. Ouais. Après, poète pour. Non, mais c'était pas mal, mais c'est peut-être un peu trop. Oui, oui, mais c'est pas bête comme idée. Non, le cercle des poètes disparu. Voilà. Et puis, féminisation, ça fait 1000 euros. On s'en sort de juste. Ça va, 1000 voilà. Euros. Alors, est-ce que vous les remettez en jeu ? Bah oui. Oui, oui, je continue. D'accord. Voilà, on joue pour 2500 euros. Mmh. Et si vous voulez être à la place d'Hervé, voici notre adresse qui s'affiche sur l'écran. N'hésitez pas, le site France 2, site France 2 et Internet pour mot de passe. Venez nous rejoindre, vous serez... Les bienvenus, bien sûr. C'est parti pour 2500 euros. 5 mots sur 8.
Cafard. Punaise. Équivalent. Cafard. Punaise. Morpion. Latte. Des mythes. Passe. Élection. Vote. Réceptacle. Urne. Auteur. Compositeur. Victor. Hugo. Suer. Transpirer. Corde. Lien. Boucle. Nœud. Huitième. Neuvième. Bien joué. C'est fait. Wow. Chapeau. Avec ces cinq mots trouvés, le premier c'était Blatt. Ah oui, je la connais pas trop celle-là. Bah, je la fréquente pas, non. Cafard, Blatt, Blatt, oui, non, c'était pas mal. Vous avez dit cafard, puis après, vous avez dit latte pour faire penser à blatte pour la consonance. Mmh, bon. 2500 euros. Il ne faut pas faire les consonances. Mais je ne plus l'équivalence en insecte. Oui. Alors. En fait, je préfère être là-bas, moi. C'est bon, stressant. Je préfère être là-bas. On joue peut-être pour 5000 euros. 5000 euros avec ou sans joker. Oui, les 2500, c'est acquis. On continue sans joker. D'accord. Ça va. Alors, 5000 euros, 5 mots sur 7, 1 minute 30, 3 indices. Vous avez le droit ou la possibilité de faire 2 erreurs, d'accord ? D'accord. Ou de passer 2 mots. Bonne chance. Merci. Numéro ? Généralité. Chiffre. Viande. Poisson. Côte. Bœuf. Taipei. Autre mot. Ah oui, c'est vrai. Arc. Flèche. Gauchiste. Socialiste. Non, pardon, ok. Gauchiste. Droitiste, mais je trouve ça moche comme mot. Okay. Lessivé. Fatigué. Nettoyé. Lessivé. Lavé. Douche. Passe. Est. Ouest. Et ben voilà. Bien. Alors, si vous avez le moindre doute, oui, chère demoiselle, un seul mot, je vous prierai d'arrêter net. Non. Si, non. Là, ah, vous prenez pas le joker. Bah, attendez, on n'en est pas là encore. Ah oui, d'accord. Taipei pour Taïwan, on l'a évidemment oublié, oui, puisque ça commence pareil. Chiffre, bœuf. Flèche, droitiste, ça existe. C'est pas... Gauchiste, droitiste. Et ouest, ça fait bien les 5 mots à trouver. Mm-hmm. 1000 euros par mot, ça fait 5000 euros. Lessivé, c'était savonné. Oui. Chercher. Alors, que faites-vous ? 3 possibilités. Vous pouvez partir avec les 5000 tout de suite. Demandez le joker pour les 10 000. Ou alors le jouer, c'est 10 000 sans joker. C'est 5 mots sur 6. Alors, je suis joueur, mais je vais quand même prendre le joker. Merci. D'accord, ok. On va regarder. C'est bien, 5000, c'est quand même une belle chose. Les 5 mots qui vont apparaître vont faire partie d'une liste qu'on comprend 6, à savoir qu'il y en a un que nous gardons pour nous, évidemment. Et puis je demanderai à Ahmed, après, si il était à la place d'Hervé, est-ce qu'il jouerait. Mais d'abord, on va voir les mots. Alors, d'abord, Ahmed Silla, sans commentaire, est-ce que ça t'inspirerait ? Est-ce que tu seras à la place d'Hervé ? Est-ce que tu irais ? Ah ouais. Ouais, non, mais... voilà. Bon. Hervé a 5000 euros. Moindre doute.
Attendez. Hervé a 5000 euros. On va le laisser tranquille quelques instants dans le silence. Si jamais ça marche, c'est 10 000 euros. Si jamais ça ne marche pas, on redescend à 2500. Et il y a un autre mot que l'on a. S'il y en a un qui vous poserait problème, on peut toujours se dire que le sixième serait bien. Sauf s'il y a deux, voire trois mots qui vous posent des difficultés, la sagesse serait d'arrêter. C'est-à-dire que j'en ai deux qui me posent difficulté. Mais imaginons que celui qui est engagé soit difficile aussi. Donc je vais arrêter là. Partie donc se termine comme ça. Venez près de moi, Hervé. 5000 euros pour Hervé. 5000 euros. Et voilà Julie, Ahmed. Et je crois que, bizarrement, ça libère Delphine. Je la sentais un peu tendue. Hein, t'étais un peu tendue là. Hein. Mais oui, 5000 euros, c'est une belle somme. Et j'ai vu dans son regard qu'il y en avait au moins deux qui lequel, qui lequel non, Gorgonzola, c'était pas Gorgonzola. Ça. J'avais un doute. Hein. Fromage italien. Roquefort italien, ça je l'avais. Ah, ouais. Voilà. Et puis j'avais vu d'après, c'était Lewis. Enfin, Carl Lewis, la vie Hamilton. Oui, bon, de toute manière, vous avez la partie est terminée. Merci Julie d'être venue. 2500 euros multipliés par deux. 5000 euros. 5000 euros. Ouais. Voilà. À bientôt, monsieur Ahmed Silla. À bientôt, ma chère. Voilà. Je vous retrouve très vite sur France 2. À très vite.